Les rouleaux japonais sont appelés au Japon kakemonos et les estampes ukiyo. Georges Clémenceau en était fan. L'objectif de cette exposition est de créer une liaison entre l'homme politique et l'homme des arts, une initiative que l'on doit à ce collectionneur, propriétaire de la quasi-totalité des œuvres exposées. Ce que je présente ici, beaucoup d'objets qui ont été acquis lors des ventes aux enchères et d'autres pièces sont bien sûr en rapport avec Clémenceau, mais n'ayant pas appartenu à Clémenceau. Le président du Conseil a passé une grande partie de sa vie à collectionner des œuvres de l'Empire du Soleil Levant, comme peut en témoigner son arrière-petit-fils, Georges Clémenceau. Il était très inspiré par cette culture, quoiqu'il ne soit jamais allé au Japon. Ce qui est très dommage d'ailleurs. Mais il voulait quand même une passion pour cette culture, pour son esthétisme, pour son élégance et pour la complexité de son histoire. Je crois que c'est ça aussi qui le retenait. Parce que c'était pas un art facile, c'était graphiquement quelque chose de très très élaboré et il fallait par conséquent avoir la sensibilité de rentrer dans cette sensibilité et c'est grâce à Claude Monet, en grande partie, je pense, qu'il a été séduit par le japonisme. En venant ici, vous découvrirez donc cette facette peu connue de Georges Clémenceau, un véritable amoureux de l'art nippon.